Bonjour, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir comment avoir le Galaxy multicolore. Pour l'avoir, il faudra avoir soit Omega, soit chef de section, soit ligne rouge, soit poudreuse, soit tison, soit vipère, soit scorpion. Enfin, scorpion peut être un autre skin tel que lui ou lui. Mais ça, il faudra me demander en privé ou dans les commentaires, je vous répondrai. Donc, pour avoir ça, il faudra d'abord fermer Fortnite. Donc vous fermez Epic Game aussi. Vous ouvrez HXD. Et une fois que vous êtes dans HXD, vous faites CTRL-O. Vous allez ouvrir ce pack là et ce pack là. Donc 10S3, 10S1 et pack chunk 1. Une fois qu'ils sont ouverts, vous téléchargez aussi tout ça. C'est dans la description. Et vous allez aussi télécharger ces deux trucs là. Donc ça c'est Nebula, donc le fond Galaxy. Donc les couleurs qui sont normalement violettes et bleues. Et ça c'est en multicolore. Donc tout ça là. C'est les couleurs en décodé d'hexadécimal. Donc là, c'est les couleurs en hexadécimal. Par exemple, le rouge, vert, bleu, machin. Et droite, c'est en décodé. C'est pareil pour là, c'est exactement la même chose. Vous allez mettre le pack 3 en deck, ça en deck et ça en deck. Donc c'est ici. Et après, moi je vais les faire dans l'ordre de ce que les gens ont le plus. Donc ça va être peut-être la tête de Médusa d'abord. Parce que beaucoup de gens ont Médusa quand même. Médusa, c'est vipère. Vous allez ici, vous faites CTRL R. Vous collez la première valeur et vous collez la deuxième en dessous. Donc les numéros, hein, pas le texte. Donc une fois que vous avez cliqué sur oui, vous faites annuler. Fait pareil. Ah oui, il faut faire confirmer le remplacement et direction toute. Donc vous faites remplacer tout. Il va vous déremplacer cette occurrence, machin. Vous dites oui et ensuite vous cliquez sur annuler. Ça vous pouvez le faire avec à peu près tout, je crois. Enfin, regardez bien le tuto quand même. Voilà, donc là j'ai fait Médusa, donc c'est que sa tête hein, pour Médusa, mais il y a le serpent et tout, donc c'est déjà bien. Donc là, ça c'est Médusa, donc c'est déjà fait. Vous voyez, les trucs rouges c'est ce qui est remplacé. Donc il y a écrit Celestial Glider Chute, en fait c'est le parapluie, enfin le parapluie, le planeur de Justin Galaxy, puisque l'idée du truc Galaxy est trop long. Donc, une fois que vous avez fait Médusa, vous pouvez fermer. Maintenant, je vais faire avec Omega. Donc, vous allez dans le 1, tac, vous collez. Vous recollez. Donc voilà, donc là Omega c'est fait. Ensuite vous faites chef de section. Donc vous collez la première. Ouais, en fait il n'y a qu'un truc à faire. Donc vous collez là. Ça sera que la première ligne en fait. Je vais vous en refaire un pour vous, mais il y aura une seule ligne modifiée. Donc tac, c'est bon. Remplacer, il va chercher. Donc là vous dites oui et vous pouvez fermer ça. Maintenant je vais faire pour Scorpion. Si vous n'avez pas Scorpion, bah avancez hein, jusqu'à ce que ce soit un autre skin. Ceux qui ont Scorpion, regardez. C'est intéressant. Tac. Donc vous pouvez fermer après Scorpion. Maintenant ça va être à Tison. Donc Tison, ça se passe dans le 1. Donc vous faites CTRL R, vous collez. Et vous collez la ligne en dessous. Tac. Vous faites oui et annuler. Ensuite, du coup c'est à la skieuse. Vous copiez la première ligne et vous la cherchez là. Tac, tac. Ça se passe aussi dans le 1. Vous faites oui. Et là, c'est la meuf, comment elle s'appelle? Donc, on s'en fout de la première ligne. Je vais me l'effacer. Hop, vous copiez la première.
Vous retournez dans le 10S1, vous copiez, vous collez, et vous recollez en dessous. Tac, il va chercher, vous pouvez fermer tous les blocs notes. Vous dites oui, et vous faites annuler. Donc, là, j'ai modifié juste tous les skins pour que là, si je lance mon jeu, ils ont tous être en mode Galaxy. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est que la première étape pour que le skin soit Galaxy. Mais moi, je les veux en Galaxy multicolore. Donc, dans les deux fichiers que je vous ai dit d'ouvrir et de mettre en deck, enfin les trois fichiers en deck, il y en a un qui s'appelle Nebula Normal. Donc, vous allez copier les 5 premières lignes. 5. 5 ou 6, hein, on s'en fout. Enfin, copier les premières lignes, quoi. Vous copiez l'hexadécimal, hein, évidemment. Vous faites ici CTRL F en valeur hexadécimale, direction tout, et vous faites OK. Il va trouver normalement vers ici. Voilà, donc il a trouvé. Donc ça, c'est la partie où il va falloir bien se concentrer. Je vais essayer de le faire lentement, mais bah, normalement c'est compréhensible. Donc, une fois que vous êtes là, vous retournez dans le Nebula, celui où vous avez sélectionné les 5 premières lignes. Vous faites CTRL A, CTRL E, vous copiez la longueur, donc les valeurs tout en bas, vous faites OK. Donc là, il y a tout un truc de sélectionner. Et là, vous faites CTRL E, vous copiez ici, OK. Il y a toutes les mêmes valeurs qui sont sélectionnées, donc en bas c'est ESG, et là c'est ESG, pareil. Donc là, on est bon. Faut vérifier que vous avez ESG en bas. Et là, vous faites CTRL A, CTRL C et CTRL V. Non, B, pardon, CTRL B. Et là, le ESG, il va être assez loin. Bon, peu importe. Donc là, c'est bon. Donc là, tout est fini. Donc vous allez fermer ça, vous allez fermer ça, et là vous allez fermer tout, et vous allez dire oui. Une fois qu'il aura fini de créer la copie de sauvegarde, ça sera bon. Donc mon jeu, enfin mon HTTP c'est enfin fermé, donc je peux lancer mon Fortnite en toute sécurité, et vous allez voir normalement dans vos fichiers si vous regardez, vous aurez .pack, .back, .pack, .back, .pack, .back. Donc c'est ce qu'on voulait, c'est pour ça qu'on a attendu la fin des copies de sauvegarde. On n'était pas obligé, mais je préfère vous faire ça pour la sécurité de votre jeu et tout le reste qui n'est pas votre jeu. Votre PC on va dire. Et votre compte, Fortnite surtout. Donc, on se retrouve dès que mon jeu est lancé, il y aura un petit cut ou un accéléré. Sachez que ce n'est pas fake, ça me servira à rien de faire du fake là-dessus. D'ailleurs j'ai réessayé 3 fois la vidéo parce que je m'étais raté. Et ça, c'est pas une blague, hein. Vraiment, c'était très chiant, voilà, tout simplement. J'ai bien fait chier, parce que tout le temps là que j'ai fait, et bah après ça va pas marcher. Alors là, si ça marche pas, je pense que la vidéo sortira jamais sur YouTube. Enfin, ou pas aujourd'hui, parce que vraiment, ça me casse les couilles. Donc, Fortnite s'est lancé, donc je peux aller dans vous allez dans Battle Royale, hein. Donc, je vois que pour Omegas ça n'a pas marché. Bon, Omega n'a pas marché. Ah si, donc Omega c'est bon. Donc voilà. La texture Galaxy n'a pas marché. Si, voilà. Donc la texture marche sur. Putain, marche sur Omega. Donc vous voyez, c'est tout beau, c'est fantastique, c'est incroyable. Inédit mondial, mondialisation de l'univers. Donc, chef de section, normalement, il n'est pas aussi rose fluo, rose bonbon, hein, on va pas se mentir. Donc maintenant, c'est rouge, voilà. Donc ça a marché. Mon tuto marche. Je suis trop content. Donc, voilà, jaune, ensuite ça va être... Ouais, rose, rouge, ouais. Ouais. Je m'attendais à du vert, ouais, je suis vraiment trop cool. Voilà, donc après c'est du vert, bon c'est pas hyper hyper... C'est trop tiré.
C'est trop stylé. Est-ce que c'est beau? Oui. Est-ce que je peux le jouer en game? Non. Non, ça a pas marché pour. Ah, ça a marché pour son coup. Ok, donc le redline, je me suis trompé. Bon, je suis un mongol. Pour redline, j'ai coupé le mauvais truc, mais bon. Elle a un petit coup galaxy. C'est quand même badass. Je vous mettrai quand même bien le truc de redline en description. Je suis un mongol. Donc, poudreuse. Ça marche aussi. C'est comme ça marche pas, hein. C'est pour ça que je vous ai bien montré le truc. Donc, poudreuse, ça marche aussi. T'es bon. Je suis vraiment content de vous montrer ça parce que c'est une exclu. Partagez-le à vos potes qui sont sur PC. Parce que ça marche que sur portable PC. Pour PS4, j'ai vu beaucoup de mes commentaires qui me disaient ouais, on peut le faire sur PS4, PS4, on fait comment, machin. Pour PS4, faut télécharger dans le PS4 Store. Enfin, j'ai pas de PS, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, mais le PS4 Store, vous téléchargez HXD. Ou alors, vous téléchargez HXD sur votre PC. Sur un PC. Vous mettez tout ça sur une clé USB. Et ensuite, vous faites exactement ce que j'ai fait. Mais à partir de votre PS4. Donc, je sais pas trop comment ça marche, mais renseignez-vous un peu. Vous tapez HXD PS4, Fortnite Hack PS4. Il y aura forcément des tutoriels. Peut-être que si j'en trouve, je vous mettrai les liens en description. Même si je doute clairement d'avoir l'envie de faire ça. Mais voilà. En attendant, mon truc marche pour Poudreuse et tous les autres skins. Maintenant, je vais vous montrer pour Tison. Hop, pour Tison aussi. On a du coup du vert sur tout son corps, du vert jaune partout. C'est très très étrange, je sais pas si c'est beau ou pas, mais en vrai c'est stylé. Donc les gars, dites pas plagiat Zartek machin, parce que c'est lui qui m'a donné les liens vers la Nebula sur Discord. C'est moi qui lui ai signalé de les mettre dans ces vidéos, donc je sais même pas s'ils y sont encore. Et au pire, je suis prêt à des... Pas avoir les trucs de droit d'auteur, ça me dérange pas. Je... Enfin voilà, c'est grâce à Zartek la texture Galaxy. Même si en soi. Enfin voilà. J'ai le droit de le faire, même si c'est lui qui en propose le contenu. Il n'a pas fait de tutoriel, j'en fais un. Voilà. Ah, je viens de découvrir que c'était bugué là. C'est pas la texture de Ghost? Si. Si. Si, si, si. Si, si, si. Bon, pardon. Donc Viper, ça va être sa tête, hein. Je le savais. C'est moi qui l'ai fait, ça. Oui, c'est moi qui ai fait... c'est moi qui ai fait lui et lui. Ça c'est hyper connu au meilleur. Hein. Lui, bah, c'est surtout les... C'était déjà dans une maison sur tuto. Redline, c'est d'autres gens. Poudreuse, c'est Retaliate. Et Tison... Qui c'est Tison? Tison, c'est moi. Ouais, Tison, c'est moi aussi. Ouais, il y a elle, enfin les trois dernières, c'est moi. Donc, Medusa, ça arrive, voilà. Très très bizarre, mais très stylé. Ah oui, donc dans la galaxie, pour ceux qui n'ont pas vraiment compris ce qui vient de se passer, en gros, on peut mettre n'importe quoi dans la galaxie, hein, c'est une texture comme les autres. C'est juste que elle est animée. Enfin, même pas vraiment, elle est pas animée, en vrai. Enfin, si. Enfin, si, elle est animée, mais elle est pas animée comme la banane. Ça évolue pas au fur et à mesure du temps. C'est t'as une texture, elle changera pas, elle apparaîtra en boucle. Ça, là, si j'attends une heure, il y aura voilà, bah, c'est déjà rien. Pardon. Si j'attends un peu, il y a la texture de base qui va revenir. Donc pour Scorpion, ça donne ça. Pas hyper beau. On dirait qu'elle s'est fait marcher dessus. Mais bon, Starfula, c'est déjà bien. Donc là je vous ai fait plusieurs tutos en main. Parce que du coup il y a le Omega Galaxy. Là. Donc c'est juste qu'il faut pas mettre le Nebula. En fait vous faites juste pas la partie Nebula. Vous faites juste la première partie pour le Omega. Pour lui bah vous allez sur le tuto que j'ai déjà fait. Elle bah vous faites que la, sa partie à elle. Pareil. Donc je vais vous laisser ici puisque je n'ai plus rien à vous montrer. Donc j'espère que ce tuto vous a plu.
Moi il m'a plu. Si je le voyais sur YouTube, je mettrais un pouce bleu et j'irais m'abonner. Parce que voilà, c'est du bon contenu. Mais voilà. Vraiment. Abonnez-vous, ça m'aide. Je vais mettre un petit truc comme les youtubeurs, comme le bouseux et tout, petit truc s'abonner qui tourne là. Avec la cloche. Bon, donc je le savais hein, mais c'est tout bugué et ça marche pas en game. Donc là ça va me kick dans 2 secondes. Voilà. Donc je n'ai pas quitté, hein, ça m'a kick. C'est une texture modée, donc ça marche pas en game. Mais les matériaux modés marchent en game. C'est pour ça que dans mon ancien ancienne vidéo, pardon. Dans ma dernière vidéo, la compilation. J'avais la skin poudreuse Galaxy qui n'existe pas, avec le bouclier de chevalier noir, avec le bouclier de chevalier noir blanc, tout ça. D'ailleurs, le tuto pour ça arrive après le tuto Ikumezu Renega qui arrive après celui-là. Non. Après celui-là, il y aura la pioche. Comment elle s'appelle Pioche. Comment elle s'appelle? Ah, je sais plus son nom. Faux écarlate, voilà. Après ce tuto là, il y aura la faux écarlate qui m'a été demandée beaucoup de fois. Donc je vais le faire. T'inquiète, Kerfo, je vais le faire. Et voilà. Donc si vous avez d'autres trucs que vous voulez, dites le moi en commentaire. Je le ferai sûrement. Je fais un peu tout le truc sur YouTube. Parce que je fais pas ça pour moi, hein. Je fais surtout ça pour ma communauté. Donc n'hésitez pas à me demander. Je le ferai sûrement. C'est quoi ça? What? J'étais beau grand. Je savais pas. Bon, c'est de la merde, mais j'étais beau grand. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs où j'étais pas au courant? Ouais, j'ai cru qu'il y avait encore une danse. La cape aussi, je peux le faire, hein, la cape banane, mais... Vas-y, elle est tellement laide. Mais chacun ses goûts, hein, je respecte. Mais n'hésitez pas à me dire du coup des trucs que vous voulez. Je le ferai sûrement. Et du coup, je vais vous laisser là. Hein. Si ce tuto vous a plu, bah, mettez un pouce bleu. Si vous a pas plu, mettez un pouce rouge. Si vous êtes neutre, bah mettez rien. Et bah mettez rien. Et si vous m'aimez, bah mettez des cœurs dans les commentaires. Et bonne soirée, bonne journée, bonne matinée.